Salut, c'est Aldebert dans Basique. Que faisons-nous sur ce caillou? Nous garderons de ce voyage cette chanson. Aldebert est depuis plus de 10 ans la star des enfants mais aussi des parents. Il revient avec un nouvel album, Enfantillage 4. Basique est revenu avec lui sur la recette de son succès. Pour dépoussiérer la chanson jeune public, Aldebert a misé sur l'intergénérationnel. Dans les années 70-80, on écrivait beaucoup pour les plus petits. C'est-à-dire qu'on séparait bien les chansons pour les petits et la chanson pour les grands. Aujourd'hui, on s'en fout. Je veux dire, on a envie de faire quelque chose qui décloisonne, qui soit crossover. Comme quand on va voir un dessin animé au Pixar, au cinéma, il y a plein d'adultes, ça pose aucun souci. Moi, j'envisage la chanson comme ça. L'autre force du répertoire d'Aldebert, c'est qu'il s'autorise tous les sujets, l'écologie, le deuil ou encore ici, l'homoparentalité. Il était une fois le fruit d'un amour hors pair, l'histoire de Camille et de ses deux pères. Il y a une volonté de surtout pas infantiliser, en fait. Moi, j'ai pas envie de réduire le vocabulaire avec autant que possible de la poésie, de la tendresse, de l'humour de temps en temps, parce que c'est un outil quand même indispensable, surtout aujourd'hui. Et on termine avec beaucoup d'amour, parce qu'Aldebert est avant tout fan des enfants. Moi, je regarde les enfants, surtout pas d'en haut comme ça, je les regarde vraiment comme des grandes personnes, parce qu'il y a un imaginaire qui les accompagne constamment, et du coup, moi, en tant qu'adulte, je me sens quelquefois pas à la hauteur, finalement, quoi. Ils sont authentiques, ils sont incroyables. Enfants, parents ou grands-parents, foncez sur Enfantillage 4, c'est le nouvel album d'Aldebert. Enfin, demain soir sur France 2, découvrez The Artist, une émission inédite proposée par Nagui. Est-ce que vous êtes prêts? Coup de projecteur sur les nouveaux auteurs, compositeurs, interprètes de demain. À vous de juger. Rendez-vous en direct à 21h05 ce samedi sur France 2. Basique, c'est fini sur cet écran, mais vous pouvez nous retrouver à tout moment sur tous les autres. Je compte sur vous. Bon week-end.